Alors ici, on a un carnet d'or sur MT4. Donc tout en haut, eh bien, on peut programmer ce qu'on veut gagner. Par exemple, là, je mets 20 euros en profit sur 2 pips. Le stop, il va être à 100 euros. Il va me calculer en fait les lots automatiquement. D'accord? Donc soit je clique sur vendre, soit je clique sur acheter. Par exemple, là, je vais cliquer sur vendre. Et là, il me passe directement mon ordre. Donc j'ai mon profit qui est ici en bas, sur cette ligne pointillée verte, et j'ai mon stop sur cette ligne pointillée rouge. Et là, eh bien, le carnet d'ordre, il va me sortir automatiquement dès que je vais avoir 20 euros sur 2 pips. Donc les profits, ce sont les profits réels. S'il y a des commissions du broker qui sont cachées, eh bien, elles sont incluses dedans, parce que c'est réellement ce que vous allez gagner. À gauche, les gains latents, les gains du jour, les trades du jour, gagnant, neutre, perdant, la durée de position et le spread actuel. Voilà. Donc vous pouvez prendre des positions rapidement. Si vous ouvrez un autre graphique qui ne prend pas position, c'est que vous n'avez pas assez d'argent sur le compte. Mais à chaque fois, avec la marge, il va vous prendre des positions. Alors ici, la jauge, eh bien, ça vous montre le nombre de pips que du dernier écart type. Hein, ça va vous aider, eh bien, à savoir combien de pips le marché a progressé. Donc autour de 20 pips, vous pouvez mettre une alerte. Si vous cliquez dessus, eh bien, elle devient bleue. Donc là, vous allez avoir une alerte. Au bout de 20 pips, eh bien, vous allez avoir une alerte. Vous pouvez l'enlever. Ça, c'est programmable dans les paramètres, 20, 25 pips. Mais 20 pips, c'est pas mal. 15, 20 pips, ça veut dire que dès que le marché a décalé de 15 ou 20 pips, eh bien, vous allez pouvoir prendre une position contrarienne. Là, c'est le décompte des 5 minutes. Et ça, c'est l'achat et la vente programmés. Ce sont des achats limites et des ventes limites. Simplement, si le marché par exemple descend, vous voulez mettre un achat un petit peu plus bas, et eh bien vous le programmez au niveau du prix, et dès que le marché va venir toucher en fait le prix, ça va faire un achat. Ça y est, là il nous a sorti du marché, donc très très bien, on a gagné 20 euros. Donc à chaque fois que vous allez prendre une position, il va marquer. Il y aura une ligne d'entrée, une ligne de stop, une ligne de profit. Donc vous saurez si vous aurez vendu ou si vous aurez acheté pour jeter un œil. Et puis eh bien, vous aurez directement tout ce qu'il faut pour pouvoir passer vos ordres. Vous pouvez déplacer le carnet d'ordre. Et c'est reparti ensuite si vous voulez racheter. Eh bien à un moment donné, vous pouvez racheter directement. Et là je viens de racheter par exemple. Hein, c'est pour vous montrer, donc le stop est bien en bas, le profit est bien en haut, et dès qu'on va arriver à 20, eh bien c'est pareil, il va sortir directement du marché automatiquement. Donc en un clic, vous pouvez prendre une position et sortir deux positions.